Non satisfecte. Com haureu vist, hi ha un sobre a les vostres butaques. Si ho desitgeu, al finalitzar l'espectacle, podeu fer l'aportació econòmica que creieu adient. Organized by the Andover Sax Fest. As you have seen, there is an envelope on your seats. If you wish, at the end of the show, you can make the financial contribution you deem appropriate. We remind you to mute your cell phones. Thank you so much. We hope you enjoyed the concert. Comme ça a été déjà dit, ces deux derniers concerts, magnifiques concerts de Mathieu Delage hier soir et de notre magnifique jeune artiste, Femme Mine, qui a magnifiquement joué avant-hier soir, ça a été dit, mais je le redis parce que c'est trop important pour laisser passer des moments comme ceci. Pardonnez-moi de parler en français, parce qu'il faudrait que je parle probablement aussi en espagnol et en andorrain, et ça je ne peux pas. Et en anglais, ce serait bien aussi, mais je pense que la traduction se fera d'une manière ou d'une autre. Je voudrais remercier, comme ça l'a été fait, évidemment, Ephrem Roca et son équipe extraordinaire, mais au-delà de cette équipe extraordinaire, je voudrais saluer ici le courage politique des hommes qui ont permis que ça se fasse, à savoir le gouvernement andorrain. Et je voudrais remarquer qu'on est là dans des conditions très préservées, très efficaces. Je n'ai pas de masque, mais j'en ai quand on sort et on est très attentif, évidemment, à toutes les règles sanitaires. Et il y a des gouvernements qui ont ce courage de maintenir, de faire en sorte que la culture, ce rituel de la culture, ce rituel de l'échange, reste avec toutes les précautions, comme je viens de le dire. Et ça, on, évidemment, nous, musiciens, nous tous musiciens, parce qu'ici, je ne sais pas qui n'est pas musicien, nous sommes finalement élèves, professeurs, collègues, amis, tous motivés par cette magnifique chose de partager la musique. Et je voudrais souligner ce courage politique, cette détermination, il en faut, dans un contexte mondial qui est celui qu'on connaît. Donc un tout petit pays avec cette force, je le salue vraiment très très vivement. J'aimerais que ça soit qu'un exemple pour d'autres plus grands pays. Et puis le deuxième, ou peut-être le principal personnage de cette soirée, ou de toutes ces journées qu'on passe ensemble, eh bien c'est
le saxophone, Sax Fest, la fête du saxophone, la fête avec un saxophone, la fête pour le saxophone, avec, c'est en fait lui le personnage principal. Et on va d'ailleurs dans ce concert avec Odile, mon épouse, et avec Antonio Garcia, avec, qui va me rejoindre après pour la seconde pièce, on va jouer en duo. C'est notre, évidemment, c'est avec cet instrument qu'on peut s'exprimer, cet instrument qu'on aime beaucoup. Et puis, bon, sans attendre la soirée de demain où on présentera le fameux suprême Selmer, il est évident que ce programme que j'ai conçu pour vous ce soir avec Odile et Antonio, c'est évidemment, je dirais, pour le mettre en scène. Et je ne vais pas parler trop longtemps, mais quand même, je vais prendre le temps de dire pourquoi est-ce qu'on va jouer ce programme. Et pourquoi commencer avec le saxophone soprano? C'est étonnant, pour présenter le saxophone alto, commencer avec une œuvre pour saxophone soprano. Eh bien, parce que si ce concert avait eu lieu l'an dernier, il était prévu de jouer un programme entier au soprano. Donc c'était pour connecter avec ce manque de 2020, et aussi pour le titre de cette œuvre, Retour du rite. Retour du rite, œuvre de ce merveilleux compositeur Alex Nante, qui est argentin, qui a fait ses études à Paris, et puis avec de nombreux compositeurs ici en Europe. Retour du rite, voilà, cette œuvre-là, très en style d'ouverture, préparant à l'intimité, allant de l'ouverture, du tonitruant même, on peut dire, à l'intime, utilisant une grande échelle dynamique, me semblait vraiment approprié pour ce rite, ce rituel. Voilà, il y a quelque chose dans la fête, dans la fête du saxophone, quelque chose de, il y a une célébration, il y a quelque chose de festif, de... Voilà, on essaye de trouver tout ce qui, de s'émerveiller autour de la musique et de la partager, comme je l'ai dit. Et cette œuvre-là, Alex Nantes, c'est un très jeune ami qui je n'ai pas découvert seul. Et là encore, c'est lié à la pédagogie, lié à la rencontre. C'est Evgeny Novikov qui me l'a fait connaître. Il était en DAI au conservatoire et il a créé cette œuvre-là. Il est venu la créer dans la salle 333, pour ceux qui connaissent cette salle que j'occupe depuis une trentaine d'années. Donc je l'ai découvert dans ma salle et on a tout de suite sympathisé. C'est un garçon très profond et maintenant d'autres pièces vont venir. Il a déjà écrit des œuvres avec piano en hommage à Debussy. C'est un garçon très très sympathique, très sensible. Voilà, l'amitié, et l'amitié encore pour la seconde pièce que nous allons jouer avec Antonio, l'amitié avec Antonio, cette relation très particulière qu'on a avec d'anciens élèves qui deviennent très vite des collègues professionnels et des amis. En fait, c'est pas facile d'être ami quand on est le rapport d'élève à professeur, c'est pas très facile. Mais on sent que petit à petit, ça s'installe, relation de confiance, de, comme je le dis souvent, de coaching. Voilà, on apprend à se connaître. Et c'est tout à fait extraordinaire. On va jouer une pièce de Natsuda, Masakazu Natsuda, qui est un compositeur japonais avec lequel je travaille depuis bien longtemps, qui m'a été présenté par un excellent compositeur français, Gérard Griset. Et vous allez voir, c'est une musique de processus. Voilà, ce sont des œuvres un peu, on va dire, pour beaucoup d'entre nous ici, c'est, on va appeler ça de la musique de recherche, par exemple. Voilà, une musique pour découvrir. Et c'est un petit peu le propos du récital entier. C'est musique de saxophone, écrite vraiment dans la nature acoustique de l'instrument. Musique pour saxophone, avec ensuite la légende de Florent Schmitt, qui est un peu notre histoire avec Odile. C'est une œuvre qu'on a découverte, parce qu'en fait, elle n'était jamais jouée, pour tout vous dire. Quand on a commencé à la jouer, personne ne l'avait vraiment jouée, je crois bien, avant qu'Elisa Hall la crée, parce que cette œuvre-là ne raconte rien quand on joue sans piano. Et nous, saxophonistes, on ne joue pas beaucoup avec piano, on ne jouait pas beaucoup avec piano, et quand une musique ne chante pas naturellement comme ça, il n'y a pas un joli thème, une petite sucrerie, ça ne nous est pas très agréable. Quand ce n'est pas immédiatement agréable, on verra plus tard. Donc en fait, avec Odile, dès le début, on a eu envie de redécouvrir des pièces qui n'étaient pas forcément des sucreries. Et je voudrais un petit peu mettre l'accent sur cette dimension-là. La musique n'est pas qu'un divertissement. Comme on le disait, c'est un rituel, quelque chose de très profond. Il fait appel à l'anthropologie. L'être humain a toujours manifesté le rythme, manifesté pour des grandes choses de la vie. Et donc cette légende de Schmitt que j'ai enregistrée deux fois, une fois avec orchestre, une fois avec Odile, avec piano, c'est un peu historique pour nous. C'est une pièce que tous les saxophonistes aiment beaucoup, en fait, qu'on joue, qu'on connaît bien, qui est dans les concours, etc. Une pièce un peu centrale du répertoire historique, écrite pour Elisa Hall, voilà, toute la grande histoire du XXe siècle,
pour le saxophone. Et ensuite, on va jouer un programme, je dirais, avec un saxophone. Et c'est pour cela peut-être que le programme était plus un prélude à ce que nous entendrons demain soir. On a choisi de jouer une œuvre imposée pour le concours. On s'est dit que c'était amusant pour voir si on avait encore le niveau pour passer en deuxième épreuve. On s'est dit, c'est pas sûr, on va voir. Je demanderai à mes collègues gentiment entre deux bières tout à l'heure. Donc on jouera le chant du ménestrel. Et je me plais à dire que cette œuvre russe, Alexandre Glazounov ne vivait pas encore à Paris à ce moment-là, début du XXe siècle. Il est encore à Saint-Pétersbourg, directeur du conservatoire de Saint-Pétersbourg. Et en fait, l'œuvre porte un titre français. Le chant du ménestrel, c'est un titre en français. Donc à Saint-Pétersbourg, on est très occidental, comme vous le savez, une ville totalement occidentale, créée par Pierre le Grand. Et on va jouer cette musique qui est une vision russe de la musique française populaire. Donc évidemment, on aime beaucoup, beaucoup cette œuvre-là, mais c'est une musique avec un saxophone, n'est pas écrite pour saxophone. Donc, et ensuite, on jouera aussi une œuvre, je dirais, pleine d'amour, une musique d'amoureux, puisque Fauré a écrit La berceuse, qu'on va jouer ensuite, pour une femme qui a été probablement la personne qui lui a permis d'accéder à une vraie carrière de compositeur. Et c'est écrit avec beaucoup, beaucoup d'amour, ça s'entend. Voilà pourquoi on a choisi de la jouer. Et nous, on terminera le programme avec une œuvre de Claude Bolling. C'était pas tout à fait prévu qu'on joue cette œuvre-là. Et puis, Claude Bolling nous a quittés au mois de décembre. Je l'avais invité en 1982, alors que j'étais professeur à Boulogne. Vous voyez, ça fait quelques années, presque 40 ans. Je l'avais invité pour présenter des pièces pour quatuor saxophone avec Jean-Pierre Kans. Et c'est un homme qui était très attachant, vraiment très, oui, un bon musicien. Et puis représentant aussi, comme Glazounov, une espèce de charnière entre la musique russe pour Glazounov et la musique française. Et pour Claude Bolling, avec la musique américaine, le jazz, mais vu de manière très très française. Très bon pianiste. Et cette œuvre-là, Le Papillon, est en fait la musique d'un film qui s'appelle Un papillon sur l'épaule. Une musique, un film très étrange joué par Lino Ventura et Nicole Garcia, un film de 1978, quelque chose comme ça, un film étrange qui se passe dans un hôpital psychiatrique et c'est un homme totalement étrange avec un papillon sur l'épaule. Voilà, un monde un tout petit peu en limite et qu'on avait envie de jouer pour vous ce soir. Pardonnez-moi pour cette longue introduction, mais j'avais peu envie de reprendre la parole ensuite et de déranger le fil de la musique, même si ce sont des œuvres qui sont assez loin les unes des autres. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je me réjouis de partager ce moment de musique avec vous.
Hier soir, en écoutant attentivement notre ami Mathieu, qui jouait tellement merveilleusement du baryton, telle sonorité, j'ai évidemment, comment ne pas penser à Éric de Vallon. Je me dis quand même, il y a deux personnes auxquelles je pense en écoutant du baryton si bien joué, et je me dis, c'est Marcel Josse, que la plupart d'entre vous n'avez pas connu, le baryton du Quatuor Mule, qui était terrible dans les concours quand il était au jury, terrible, parce qu'en fait c'était vers lui que s'adressait Mull quand il avait des problèmes techniques de sonorité, de vibrato avec un élève. Il l'envoyait à Versailles. Il était professeur à Versailles, vous le saviez, peut-être pas. C'est professeur à Versailles, il l'envoyait chez Josse qui ne donnait pas ses cours à l'alto. Il ne jouait pas d'alto. Il donnait ses cours au baryton et parfois au violoncelle parce qu'il avait été violoncelliste. Donc intéressant quand même. La formation de l'école française de saxophone tient quand même au baryton. C'est l'origine. L'origine, premier instrument créé par Adolphe Sax. Alors, je ne vais pas jouer de baryton ce soir. De toute façon, j'aurais trop honte derrière Mathieu. Ça ne serait pas aussi bien. Mais nous allons rendre un hommage à Éric de Vallon à double titre parce que la pièce s'appelle
le basque, et Eric, même s'il n'était pas d'origine basque, il était éminemment basque, il était devenu basque, et puis une pièce qu'il aimait beaucoup, Marais Marais. Cher public, afin d'éviter les agglomérations, la sortie de l'auditorium se fera de manière ordonnée, en rangée. Nous vous demandons de rester à votre place en attendant les indications de membres de l'organisation. Merci beaucoup. Dear audience, in order to avoid congestion, the exit of the auditorium will be done in an orderly manner. I rose. Please stay in your seats while waiting for instructions from any member of the organization. Thanks. Everybody sit down, please, and this time we have to do it right, correctly. So, unless you are told to stand up, do not stand up, okay?